Good morning, allez, d'un étude sur aujourd'hui le Shabbat. Mon rivière Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman Nissim ben Aouda, Sarah Batran Rachel Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que le Refouat à Sarah Bat Beiti Rivka Betor Shah Chol Israël. Si vous souhaitez aussi de lire une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Menachot pour écrire Mishnah. Hey, Harishon Shebarishon, En le Mala Mimenu. Hashini Shebarishon, Varishon Shebashini, Shavin. Hashinishi Shebarishon, Vashini Shebashini, Varishon Shebashini, Shavin. השלישי שבשני והשני שבשלישי שווין, השלישי שבשלישי אין למטה ממנו. אף המנחות היו בדין שהטענו שמן זית זך. מה עם המנורה שאין על האכילה? טעונה שמן זית זך. המנחות שאין על האכילה אין עוד דין שהטענו שמן זית זך. תלמוד לומר, זך כתית למאור, ולא זך כתית למנחות. ובפרד רב קומישה פרסדונט, ונבבי, trois niveaux d'olive avec trois niveaux de pression. Ça nous est 9. Ouais, la Mishnah nous est Shlosha Zetim, ou Ben Shalosh, Shlosha Shlosha Shmanim. Trois types d'olives. Les olives qui poussent tout en haut de l'arbre. Les olives qui poussent dans la tranche du milieu. Et les olives qui poussent dans la tranche inférieure, celles qui sont tout le temps, elles sont plus exposées au soleil, elles sont plus savoureuses, elles produisent une huile de meilleure qualité. Celles du niveau 2, donc ce que j'appelais Aleph, Bet et Gimel, selon la hauteur de l'arbre. D'accord ? Aleph, Bet et Gimel. Et là, j'ai fait ça dans mon tableau, j'ai mis trois types de pression, comme ce qu'on avait appris, qu'il y a la première pression, c'est juste on concasse les olives et on les laisse faire couler une petite goutte. C'est l'huile la plus pure, il n'y a pas un brin d'impureté qui s'est mélangée dedans. Après, deuxième niveau d'impureté, c'était ce qu'on avait vu, qu'il fallait qu'ensuite on les écrasait soit avec la poutre, soit on les pressait un peu plus avec la poutre ou encore avec les pierres, comme il proposait Rabbi Yehuda. Et la troisième, c'est que cette fois-ci, on broyait le tout, complètement on écrasait le tout, on faisait une pâte et ensuite on mettait la poutre dessus pour extraire l'huile. Et là, c'est une troisième pression qui était de moins bonne qualité, où l'huile, justement, on a mélangé dedans plus d'impuretés. Il y avait trois types d'olives aussi. Et on avait appris qu'à chaque fois, lorsqu'on veut allumer la menorah, pour allumer la menorah, on peut prendre la première qualité de chaque niveau d'huile. La première, c'est-à-dire celle qu'on casse l'huile et qu'on fait couler et qu'on laisse couler ensuite la première goutte d'huile où il n'y a pas un brin d'impureté. C'était uniquement celle-là pour la menorah, tandis que tout le reste, les deuxièmes pressions et troisièmes pressions de chacun des niveaux d'olive, alors il était kasher pour les menachot. Le but de notre Mishnah, c'est très simple. Ça a l'air long et de se répéter, mais c'est très très simple. C'est de nous expliquer maintenant de les classer, de les hiérarchiser en qualité pour les menachot. Puisque je te dis que toutes les huiles, elles sont kasher pour les menachot. Question, quoi préférer ? Est-ce que je préfère, si j'ai le choix par exemple entre soit la troisième pression du niveau 1 ou bien la première pression du niveau 2, qu'est-ce que je choisis? Ouais, vous comprenez? C'est là le but de notre Mishnah. Et la Mishnah va me dire, bien évidemment, la tip top, l'huile la meilleure, c'est l'huile des olives de niveau Aleph qu'on va faire en première pression. Bien évidemment, il n'y a pas d'égal, c'est pour ça que je lui fais une petite couronne dans mon dessin. D'accord, c'est le top. Maintenant, il faut savoir que si tu es en deuxième choix, alors tu choisis soit le qualité Aleph avec pression 2, ou bien c'est la même chose, Bidiouk, exactement. Il n'y a pas de différence entre choisir la qualité Aleph de deuxième pression, ou bien la qualité Bet de première pression, c'est le même niveau de saveur. D'accord? Par contre, qualité 3, c'est-à-dire niveau qualité d'olive, Aleph, mais en troisième pression, elle aura le même niveau, la même qualité de goût que la deuxième pression du niveau Bet, ou bien que la première pression du niveau Gimel, des olives. Et ainsi de suite, là on aura une équivalence entre les deux, et ça ce sera la pire. Si vous avez compris le dessin, j'espère que ça a été clair, vous avez bien compris, ouais. Les Aleph, ça signifie, c'est le niveau d'olive. Si c'est classé en arbre, en fait, j'aurais pu dessiner un arbre tout autour et vous dire tranche du bas, tranche du milieu, tranche du truc. Voilà, c'est que mon tableau était trop petit et j'ai pas pensé au moment où j'ai fait le dessin en réalité, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ça fait trois niveaux d'olives.
niveau Aleph, et donc à chaque fois on a première pression, deuxième pression, troisième pression. C'est clair, l'équivalence, lui c'est le meilleur. Deuxième niveau, il n'y a pas de différence entre les deux, entre les vertes, et entre les rouges, et entre les noirs, et après le dernier niveau c'est celui-ci. Regardez comment maintenant on va lire toute la Mishnah, d'un coup. Harishon chez Barishon, la première pression de la première qualité. Aleph 1 chez moi. Qualité 1, Aleph, première pression. Elle est mal à Mimenu, il n'y a rien de mieux qu'elle, bien évidemment. Hacheni Sheba Rishon, Varishon Sheba Sheni, donc Hacheni, deuxième pression, Sheba Rishon, de la qualité Aleph, ou bien Harishon Sheba Sheni, la pression 1 de la qualité Bet, alors Shavin et son kif kif, la même chose. Idem ensuite, Hachlishi Sheba Rishon, Vacheni Sheba Sheni, va. Oui, je me suis perdu, excusez-moi. Vacheni Sheba Sheni, Varishon Sheba Shlishi, Shavin. Aussi, les trois, ils vont ensemble. Ensuite, Hashlishi, j'ai sauté encore une ligne, c'est pas grave. Hashlishi Shebasheni, Vahasheni Shebashlishi. Si on n'a pas compte, Hashlishi Shebasheni, à la troisième pression du niveau bête, Vahasheni Shebashlishi, donc la deuxième pression du niveau guillemets, et aussi Shavin. Hashlishi Shebashlishi. Par contre, la troisième pression du niveau d'olive 3, c'est les olives donc, qui ont mûri le moins, où il a fallu faire tout un procédé pour pouvoir les faire mûrir et les forcer. Et tant bien que mal, elles vont mûrir, elles vont lâcher de l'huile, mais de qualité inférieure. Et la troisième pression d'elle, c'est N les matami menon. Il n'y aura rien de pire qu'elle, c'est l'huile la plus basique. Ouais, c'est bon à savoir, lorsque vous achetez en fait des olives, de l'huile d'olive, et qu'on vous dit première pression, deuxième pression, il faut savoir aussi le niveau d'olive que c'était. Sinon, c'était une arnaque. Af hamenachot. Maintenant, la Mishnah continue en m'expliquant maintenant. En me rapportant des psukim. Af amenachot ayu bedin sheit anu shemen zaitzach. Maintenant, on a pris, on revient en comparant maintenant. Tout ce qu'on a parlé, bien évidemment, c'était que pour les menachot. Parce que, comme ce que je vous ai dit au début, ce qu'on a appris dans la mission précédente, pour l'allumage de la menorah, la Torah insistait shemen zaitzach katit la maor. L'huile d'olive pure, concassée, pour en faire de l'éclairage. Shemen zaitzach. Katit la Maor, et c'est ce que la Mishnah m'a expliqué maintenant. Katit la Maor, c'est que tu l'as pressé pour le Zar Katit la Maor, pour l'éclairage, pour l'allumage de la menorah. Pour elle, je te demande l'huile la plus pure, et pas pour les menachot. Pour les menachot, fais de l'huile comme tu as l'habitude de le faire, débrouille-toi juste que la qualité, qu'elle soit meilleure au goût, selon les ordres de priorité. De ce fait, la Mishnah me dit Afa menachot ayu bedin shit anu shemen zaizach. Même les menachot, les oblations, lorsque tu devais mettre de l'huile, ça aurait été logique d'imposer, d'avoir de l'huile de meilleure qualité, de l'huile la plus parfumée, de l'imposer a priori d'avoir le sug aleph de première pression, ou même de première pression uniquement, de toujours préférer cette colonne, parce qu'il nous faut au moins la première pression. Pourquoi ? Regarde la logique qu'on aurait pu poser. Si pour l'allumage de la menorah, qui n'est pas destinée à la consommation, Teuna Shemen Zaitzach, malgré tout, la Torah a imposé d'apporter de l'huile pure. Alors, Hamenachot Shen Lachila, les oblations, que leur destination c'est d'être consommées, d'être mangées. Donc, quand il faut manger de l'huile. Alors, plus forte raison, on aurait pu croire que quoi ? Enodin Shitanu Shemen Zaitzach, n'était-ce pas à plus forte raison que tu aurais dû apporter de l'huile très pure ? Comme ça, tu aurais pu croire. C'est pour ça que la Torah elle a insisté en me disant, Talmud Lomar, c'est pour ça que le pasuk est venu m'apprendre, Zar Katit Lamaor, pur, broyé pour l'éclairage, pour la menorah. Velo, Zar Katit Lamenachot, et pas de l'huile pure pour les menachot, pour les menachot. Je me moque de la. Aucune contre-indication à ce que l'huile ne soit pas parfaitement pure, qu'il y ait plutôt quelques chmarim, quelques impuretés qui soient mélangées. L'essentiel, plutôt, ce sera, alors là, on reviendra selon une autre règle, Bemivrar Nedarecha, toujours la Torah insiste, apporter lorsque tu apportes un Neder, tu le fais Bemivrar, avec le meilleur. Et donc le meilleur, dans ce cas-là, va concrètement vérifier quel sera le goût, l'arôme le plus riche de l'huile d'olive, et donc ça marchera selon la correspondance que l'on a appris. Une dernière petite précision du Tiferet Israël qui est intéressante quand même. On a fait un Kal Vachomer, on a déduit par a fortiori en disant que si pour l'allumage, on aurait pu croire que si pour l'allumage tu dois prendre
de l'huile de très bonne qualité. Alors, à plus forte raison pour lorsque tu vas faire des ménachotes. Pourquoi? Parce que les ménachotes, tu vas les manger, tu vas pas que allumer. Tu fais ça à la porte que, bien évidemment, on est en train de comparer la consommation du misbéar, pas la consommation des kohanim, pour que le kol vachomer se tienne debout. Alors, il faut faire un kol vachomer en parlant de l'importance du misbéar. Si lorsque tu allumes la menorah en l'honneur d'Hachem, je te demande de l'huile de qualité, alors lorsque tu vas kivirchol, si on peut dire, donner à manger à Hachem, au misbéar, alors à plus forte raison, tu devrais prendre de l'huile de très bonne qualité. Mais on ne parle pas de la consommation des kohanim. Alors c'est une petite précision très jolie, un peu profonde, quoi, intéressante. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha et un Chag Sukkot Sameach. Pour nous, on se donne rendez-vous, Bezrat Hashem, à Isrou Chag Medisraël. D'accord? Le mardi d'après, on va faire une petite pause de 8 jours. C'est du 8 jours, oui, mais pas 9, ça aurait fait beaucoup trop. Donc, Bezrat Hashem, rendez-vous pour après Simchat Torah. Et Kol Tov Selah et Chag Sameach à tous.